Les objets, étoiles, planètes, galaxies dans l'univers sont constitués de molécules et d'atomes, exactement comme nous. Ces molécules émettent des ondes électromagnétiques qui, selon la température de l'objet, seront de la lumière visible, des rayons X ou gamma, de l'UV, de l'infrarouge ou justement des ondes radio. Le rayonnement émis par ces molécules et atomes ne se fait qu'à des fréquences bien déterminées. Ainsi, pour chaque espèce, nous avons une sorte de carte d'identité de la molécule. L'émission de chaque atome est très faible, mais vu l'immensité des espaces interstellaires, l'émission totale sera parfaitement détectable. Mais tous les rayonnements ne sont pas visibles du sol, car notre atmosphère arrête une partie de ces rayonnements. Par exemple, pour l'infrarouge, entre 60 et 600 microns, il faut donc aller hors de l'atmosphère, c'est-à-dire lancer des télescopes dans l'espace. Ce domaine d'énergie, de lumière, est fondamental pour comprendre l'univers, car par exemple, il donne la possibilité d'observer la molécule d'eau. C'est pour cela, entre autres, qu'a été lancé le satellite Herschel Space Observatory. Ce satellite Herschel est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé de Kourou, en Guyane, par une fusée Ariane 5. Allumage EAP, décollage, lift-off. Sa durée de vie sera approximativement de 3 ans. C'est le premier observatoire couvrant complètement l'infrarouge lointain de 60 à 670 microns avec 3 instruments à bord, PAX, Spire, Hi-Fi, qui permettront d'obtenir des images, mais aussi des spectres, des objets observés. C'est le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace, avec un miroir de 3,50 m, une hauteur de 9 m et un poids de plus de 3 tonnes. L'expérience a commencé il y a plus de 10 ans, lorsqu'il a été demandé au laboratoire de développer un prototype d'instrument pour réaliser les spectres des signaux reçus par les radiotélescopes. C'est un peu comme écouter une musique et en afficher les aigus, les médiums et les graves. Nous avons donc réalisé un prototype qui a été validé sur télescope en Espagne à 2000 mètres d'altitude. Cela a été une formidable aventure et ce succès nous a permis d'être sélectionnés par l'Agence spatiale européenne pour livrer un spectromètre pour le satellite Herschel. C'est vraiment excitant de travailler pour le spatial, mais cela amène des contraintes qui, à l'époque, étaient nouvelles pour notre laboratoire. Il fallait faire plus performant tout en étant plus petit, plus léger, faible consommation et surtout résister au décollage d'une fusée Ariane 5 qui est le plus gros lanceur de satellites scientifiques. Ainsi, tous les composants doivent résister aux vibrations, au décollage et à des chocs de plus de 2000 G. Ensuite, tout l'équipement doit résister au froid, jusqu'à moins 50 degrés, au vide et surtout l'électronique ne doit pas se dégrader alors qu'il y a beaucoup de radiations qui sont normalement arrêtées par l'atmosphère de la Terre. Il nous a fallu 5 ans pour fabriquer tous les modèles, c'est-à-dire un nouveau prototype, un modèle de qualification sur lequel sont faits tous les tests, vibrations, chocs, vide, puis enfin les deux modèles de vol qui sont embarqués sur le satellite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce travail a mobilisé 6 personnes dans notre laboratoire pendant 5 ans, fait travailler 10 sous-traitants, majoritairement en France et aux États-Unis. Cela veut dire aussi de très nombreux voyages en France et à l'étranger, en particulier pour la livraison du matériel. Pour notre laboratoire, cela a été un changement très important, car tout le monde peut faire de l'électronique, mais travailler pour le spatial est un vrai challenge quant aux méthodes de travail à mettre en place, les normes à respecter. Un exemple flagrant, c'est de travailler en blouse, en gants, charlotte sur la tête, sous un plafond soufflant d'air purifié, pour ne pas contaminer l'instrument, et cela pendant des mois. Il y a aussi des enjeux importants, de budget, de planning, car si vous n'êtes pas prêt, le satellite part sans vous. Au final, le satellite que nous avons fabriqué est l'instrument scientifique d'analyse le plus complexe jamais réalisé pour un satellite. Il permet d'avoir une vue d'ensemble du spectre et l'innovation que nous avons apportée et de pouvoir faire des zooms en répartissant les 8000 canaux d'analyse. C'est comme lorsqu'on tourne le bouton de l'autoradio pour balayer les différentes stations. Ainsi, la musique des étoiles peut être analysée avec une extrême précision. Le Herschel Space Observatory aura différents buts scientifiques, notamment la formation et l'évolution des galaxies, l'étude des comètes, des atmosphères de planètes
et de satellites pour comprendre comment notre propre système solaire s'est formé, et également la formation des étoiles et la physique du milieu interstellaire. Une grosse partie du programme d'observation du satellite vise justement à mieux comprendre la formation des étoiles. C'est en effet au sein des étoiles qu'ont été et que sont formés les éléments qui constituent notre monde, tels que le carbone, l'oxygène ou le fer. Et nous sommes nés des étoiles en fait. Mais plus généralement, beaucoup d'observations seront dédiées à l'eau, qui est impossible à observer du sol. C'est une espèce abondante dont on ne connaît pas exactement l'origine sur Terre et sur les autres planètes. Et évidemment, l'eau est aussi fondamentale dans le cycle de la vie. Ensuite, l'eau joue vraisemblablement un rôle déterminant dans la formation des étoiles, notamment les étoiles de très grande masse, qui font plus de 10 fois la masse de notre propre Soleil, dont on ne comprend justement pas complètement le processus de formation. En fait, l'eau agirait probablement comme un refroidisseur naturel lors de la formation de l'astre, en évitant que la mécanique s'emballe,